Eh bien salut les amis, c'est Kermado et aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode de Yo-kai Sangokushi Mobile. Juste avant de commencer, vous avez été quelques-uns quand même dans le dernier épisode, qui était vraiment le dernier épisode sorti et le dernier épisode à sortir de Yo-kai Sangokushi sur 3DS, l'épisode 21 où j'ai battu le boss final, à me dire que vous vouliez qu'on fasse Yo-kai Watch 3 en vidéo en japonais. Certains m'ont dit non, hein, mais très peu. Et sauf que vous avez dit que faire des vidéos qu'une seule fois par semaine, ça suffirait pas, sinon je terminerai jamais le jeu parce qu'il est super lent. Il allait avoir besoin de dizaines et dizaines et dizaines d'épisodes, même si, attention, hein, je compte aller jusqu'au boss final. Je compte pas faire les quêtes annexes tant qu'il n'est pas sorti en France, mais effectivement, ça risque de durer longtemps, donc je ferai peut-être plus d'épisodes par semaine et je vais peut-être le commencer d'ailleurs dès le mois d'août. Je vais voir, mais il me semblerait que ce soit bien parti pour, vu mon planning. Sachez cependant que je vais recommencer ma partie. Je vais pas reprendre la partie que j'avais fait parce que j'ai regardé le premier épisode que j'avais fait sur The Kai Watch 3. Et c'est pas le même moi. C'est le même moi, c'est moi qui avais fait la vidéo, mais vous avez qu'à la regarder et vous verrez que j'étais pas autant à l'aise. L'épisode, je sais pas, il est pas aussi cool. Bah, je veux pas me jeter des fleurs, mais je trouve qu'il est pas aussi cool que ce que je fais maintenant. Donc je vais recommencer du début, surtout qu'en plus j'ai acheté la version Sukiyaki. Je vais faire la version Sukiyaki et pas la version Tempura ou Sushi. Je l'ai acheté, mais je l'ai commandé sur internet, donc là je l'ai pas encore, mais on me l'envoie. Donc voilà, je pense que je ferai ça. Dans tous les cas, nous on va faire un tout petit épisode de Yo-kai Sangokushi Mobile. Attendez, ça fait pas d'écho? Attendez. Non, c'est bon. J'ai pas joué au jeu depuis le dernier épisode. Tout ce qu'il y a, c'est que je me suis connecté presque tous les jours. Parce que, en fait, je voulais récupérer les récompenses. Je vais récupérer les pièces de Bingo-Kai, etc. pour vous faire un épisode du Bingo-Kai. Ce sera pas un épisode du Bingo-Kai comme à l'époque de Weeble Wobble, mais ce sera quand même un petit épisode du Bingo-Kai version Sangokushi. Qu'est-ce que c'est que ça? Je peux avoir les versions S de ces Yo-Kai? D'accord. Très bien. Comment ça, c'est gratuit? Il y a un essai qui est gratuit? Bah écoutez, on va faire l'essai gratuit. Donc, en tous les cas, les amis, laissez plein de pouces bleus pour me souhaiter bonne chance et allons-y. On fait l'essai gratuit. J'espère qu'on va avoir un bon truc. Et j'ai des vraies pièces de Bingo-Kai. Hein. Ça, c'est le ricochet du Bingo-Kai, je sais pas quoi. Mais j'ai des vraies pièces de Bingo-Kai qu'on va utiliser. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on va avoir? Ah, c'est nul ça, non? Oh! Felipe, quoi! Vous vous fichez de moi? Felipe? Ça pouvait même pas être Monsieur Felipe. C'est nul. Et maintenant, c'est payant de jouer, bien entendu. Hein. Alors, ça, c'est pas gratuit, mais... Non, c'est cher. 240 pour 5 essais, c'est cher. Ouais, mais c'est des versions ultra ouf des Yo-kai, quoi. On va peut-être faire ça. Mais on va pas le faire tout de suite. D'abord, ça, il y a un essai gratuit, donc allons-y. Voyons voir. On va d'abord jouer les pièces de Bingo-Kai et après on va essayer de faire le Bingo-Kai ultime. Là, je sais pas quel genre de Yo-kai il nous sort, mais ils ont l'air d'être assez ouf. Ils ont même pas de rang. Ils sont parents A, parents S, parents SS, parents SSS. Ils sont en je sais pas quoi. Oh non! Mais non! Tapir? C'est ça? Tapir? Ou tapure? Je sais plus. Mais c'est nul. C'est nul. Bon. Alors ça, c'est du Bingo-Kai normal. Non, ça on l'a déjà vu. Ça, c'est un Bingo-Kai bizarre. C'est des Yo-kai bizarres qu'on peut avoir. Non, c'est des Yo-kai exclusifs à Sangokushi. Alors là, on a beaucoup de pièces quand même. Bon, je pense qu'on va commencer par... On va faire dans l'ordre. Donc, non, on va commencer par les pièces 1 étoile. Et après, on fait dans l'ordre. Voilà, les pièces 1 étoile, donc allons-y. Attendez, on peut avoir que Kyubi. Enfin, Kyubi, c'est le seul rare qu'on peut avoir. Bon, allons-y, hein, on fait 7 essais. Ah, on jette aussi les pièces dans l'eau. Pourquoi pas. Allez, j'espère qu'on va avoir des bons trucs quand même. Il y a intérêt, hein. Il dit quoi, baby? Et donc, on n'a rien de bien, hein, il n'y a aucun doré. Hein. Déjà, on commence par un Malmidal, quoi, donc... Voilà, c'est un petit peu tout pourri. Jacasseur, c'est ça?
D'accord. J'ai hâte d'arriver au rouge quand même. Ouais, non mais sérieusement, on en part. Bon, au moins ce sont des nouveaux yokai. Mais bon, vous allez me dire, ces nouveaux yokai, on aurait pu les avoir certainement autrement. Hein. Et... D'accord, on a eu un nouveau yokai parmi les trois rouges. Bon, et un yokai que j'aime pas, quoi. Mais qu'est-ce que c'est que ce truc-là, Mouilou? Mouilou, mais qu'est-ce que ça veut dire? J'en sais rien. Bon, on va jouer ces pièces-là. Attendez, on peut avoir lui, là? Oh, stylé. Alors, c'est parti. On a 4 essais. Oh! D'accord. Ça, c'est pas la même chose. Ah, mais c'est stylé, tous les effets de Bingo Kai différents. C'est le phénix. Et... What? Pourquoi il y a des pierres? Hein? Ah, c'est vrai qu'on a des cartes dans ce mode. Enfin, dans ce truc. D'accord, ok. Bon, je sais pas du tout ce que ça vaut, les cartes. Je connais pas du tout. Franchement, je sais même pas si j'en aurai une rare, une bonne. Pour l'instant, j'ai pas l'impression, quand même, c'est que des rancés. Donc, ça doit pas être si bien que ça. Je sais même plus comment on les change, les cartes. Je sais même plus comment on les utilise, c'est pour vous dire, quoi. Ah, elle est stylée, elle, tiens. Et c'est un rancé aussi. D'accord. Bah, génial. Génial. Ça tombe bien. Et l'autre, bah, c'est un qu'on avait déjà. D'accord. Ça augmente ce niveau-là. Mais je sais pas ce que c'est, ça. C'est notre niveau de chance. J'en sais rien. On va jouer d'abord les petites pièces. Et après, on jouera les 5 étoiles. Parce que les 5 étoiles, c'est les meilleures. Qu'est-ce qu'il dit, Whisper? Et c'est nul. Homer. C'est comme ça qu'il s'appelle. Homer. Mais bon, c'est un nouveau yokai. Allez. Oui, oui, je sais, qu'une fois que je l'aurai utilisé, elle peut plus être récupérée. Enfin, j'imagine que c'est ce qui est écrit, hein. Et très bientôt, il y a Fantasy Life Online qui sort. Je vais vous faire des vidéos, ça c'est sûr. Je vais en faire beaucoup d'ailleurs. Parce que j'ai tellement hâte que je le sorte. Je l'attends depuis tellement longtemps. Et c'est Toutoui. En tout cas, ça va parce qu'on a, on a beaucoup de yokai qu'on connaît. Ah, Oronian. Mais jamais on va avoir de rang S, jamais. Ça me paraît impossible. Si, si on pouvait en avoir juste un dans la vidéo, ce serait bien quand même. Juste un. Je demande pas la lune. Ah bah on va pouvoir faire une fusion, si on peut. Je sais pas si on peut faire des fusions. Bonne question. Mais... Ouais, mais c'est un rang A après qu'on a. C'est même pas un rang S. Bon, là c'est Blizzardia qu'on peut avoir, je crois. Et qu'on n'a pas eu. Ouh, Komajiro! C'est bien quand même. C'est bien. Bon. Ensuite, la pièce verte. Tataura. Ou l'autre, je sais plus comment il s'appelle. Tataura ou. C'est bien. Non! Oh, mais attendez, mais on n'avait pas déjà eu Felipe? Attendez, il y a Felipe et il y a Felipe version Sangokushi. D'accord, donc ça veut dire qu'il va y avoir plein de yokai en double. Alors là, on peut avoir Dente ou... Enfin, Dante ou l'autre Milieu. Milieu, je crois que c'est ça. Oh. Enfin, je l'aime bien, mais bon, c'est que des rangs D. C'est pas ouf. C'est pas ouf du tout. Et là, est-ce qu'on va la voir, elle? Comment elle s'appelle, déjà? Je sais plus. Je sais plus. Morphea? Ça me dit quelque chose, Morphea? Eh ben non. Encore plus nul que tout ce qu'on a eu jusqu'à maintenant. Et en plus, il est moche. Bon, c'est pas grave, c'est des nouveaux. Bah maintenant, on va jouer... alors, ces pièces-là, je sais pas trop comment je les ai eues. Mais je les ai eues en me connectant chaque jour, en fait. Allez. C'est des pièces 1,5, je sais pas quoi. Ah, en fait, tous les espèces d'humains, là, humanoïdes, ce sont des cartes, en fait. Ce sont pas des yokai. Ah, pas mal. Pas mal, j'avais pas vu. Je pense que je vais l'équiper. Lui, c'est... un rang A aussi. D'accord. Pas mal, pas mal. Elles sont belles, les cartes. Je pense que je vais équiper elle, parce que elle va avoir un meilleur niveau, vu que je l'ai eu plusieurs fois. Ok, j'ai cru que c'était un rang S, vu l'effet de ouf que ça a fait. Mais non, même pas. Et pour finir... elle a un Komasan en pierre à côté d'elle. Bon. Ok. Et donc ouais, on augmente de niveau, on passe niveau 3, ce qui est pas mal. Donc je pense que je vais la mettre dans mon équipe. Je pense que je vais la mettre. Et pour finir, on va utiliser... Oh, on peut avoir...
On peut avoir Enma. Tiens, attendez. Non. Gargaros, Tengu, Focapa, Octorgombre, et là, Noleka. Noleka ou Noluka, je sais plus. Soluka, Soleka. Non, c'est Noluka et Soluka. Soluka, je crois que c'est ça. Sur ça, enfin, j'aimerais bien voir l'un d'eux quand même. Ce serait cool. Même si ça paraît hautement improbable. On a eu. Oh! Désolé, Whisper. J'ai pas fait exprès. J'ai pas fait exprès, Whisper. Je m'excuse. Il est toujours KO. Hein. En même temps, qu'est-ce qu'il fait là? Il sert à rien. Il porte même pas chance. Oh non! Que des rouges. Enfin, c'est bien. En A, d'accord. Lui, je vais le mettre dans mon équipe, c'est sûr, mais bon. Oh, d'accord. Bon, on est un peu en veine quand même. Il y a mieux, mais on est un petit peu en veine. Oh! Mais c'est génial! Non, c'est trop bien. Il peut y avoir des rangs S dans les rouges. Je suis pas sûr. Lui, je sais plus comment il s'appelle. Le rouge, c'était Zerberzerk. Oh, l'évolution de trop, désolé. Mais je sais plus non plus comment il s'appelle. Oh, pourquoi il y a des bris... Enfin, il y a du feu autour, là. Oh, Coléroptère. Scolérique. Coléroptère ou scolérique? Je sais plus. L'un ou l'autre. Et pour finir... Ah, bah, je vais les mettre dans mon équipe. Ok, je vais les mettre dans mon équipe, c'est obligé. Et ça donne 30 points. Par contre, il faut beaucoup de points pour arriver au bout. Je sais même pas à quoi ça sert d'arriver au bout, mais bon. On va faire ça. Je vais d'abord voir les cartes, en fait. Les cartes, c'est ce qui m'intéresse le moins, parce que les cartes, on les verra pas en combat. Et donc, c'est un vieillard. Enfin, qui a pas l'air si vieux que ça, en fait. Et c'est un rang B. Ok. Donc, en argent, c'est du rang B. Et le dernier, c'est un rang C, je pense. Ouais, vu la couleur, ça m'avait l'air d'être un rang C. Mais il est stylé, hein. Ils sont stylés, ces persos. Pour finir, on va faire ça, parce que ça, c'est aussi pour avoir des cartes. Donc, allons-y. Ok. Et... Oh, on a un doré. Ça va être un rang S. Ah, ce serait ouf. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on les a déjà? Quand ça nous affiche rien? C'est quoi cette couleur? Ah, c'est un rang A. D'accord, ok, très bien. Je sais pas qui je vais mettre, je verrai, mais je mettrai peut-être le rang S en fait. Donc ça c'est un autre rang A. On a bien complété notre médaillium en tout cas. Hein. Même si c'est impossible de tout avoir, mais... Et oui, il y a que des trucs qu'on a déjà, très bien. Non, mais je crois qu'on est chanceux. Je crois qu'on est chanceux, il y a quelque chose qui me dit qu'on est chanceux là. Oh, mais ils sont trop stylés, qui a fait ces illustrations? C'est level 5. C'est ouf. Ça me donne vraiment envie de creuser dans l'univers du jeu. C'est dommage qu'il sorte pas en français. Hein. Ah bah on l'a. Le mec qui était devant là. Ah c'est trop bien. Ça c'est du rang S. Hein. Je peux pas le lire. C'est des kanji, c'est des caractères. Ah si c'est marqué. Sonsaku. Il s'appelle Sonsaku. Et bah écoutez, ça va être lui qui va être dans mon équipe. Et on gagne d'autres points. Ah, ça avance vite. Ah, ça nous débloque une pièce, je pense. Je pense qu'on gagne une pièce quand on a le max. Non, je veux pas noter. Et donc, maintenant, on va finir en faisant... Qu'est-ce qui est le plus rare? Ça? Ou... Non! Les menus sont pas clairs. Ou ça? Je pense qu'il vaut... Non, je pense qu'il vaut mieux faire la 5 étoiles d'abord. Ça doit être la moins rare. Et ensuite, on fera les autres. Par contre, on a eu aucun yokai de rang S. On a eu les... des cartes, enfin une carte de rang S, mais des cailles de rang S, aucun. Enfin, on a eu plein de rang A, donc c'est bien aussi, mais bon. Allez! Il y a moyen qu'on ait des bons trucs quand même. Ouais, ça c'était vraiment pourri par contre. Hein. Benkei! Oh, ça permet de débloquer le saut d'un légendaire, mais qu'un seul. Hein. Et. Oh! Bandinian! Mais le Bandinian de l'univers de Sangokushi. Et Dragonflu.
J'ai pas révisé avant cette vidéo, hein. Pourtant il y a plein de noms de yokai qui me reviennent. Bon, j'en ai oublié, mais il y en a plein qui me reviennent, ça m'étonne. Allez, vas-y, allez, débloque-nous 5 trucs. On n'aura jamais cette pièce de toute façon. Et pour finir, donc on peut avoir les mêmes que dans l'autre. Ah non, 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 on peut avoir. Je sais plus comment il s'appelle. Le cubit de glace. Je sais même pas s'il a. S'il est déjà apparu. Je sais pas, Obscurby, il est déjà apparu en français, je sais pas. Peut-être. Pas, j'en sais rien. Bon, alors là, laissez plein de pouces bleus, souhaitez-moi vraiment bonne chance parce que là. Il y a moyen qu'on ait Enma. Vous vous rendez compte quand même. Enma. C'est pas rien. Oui! Regarde, on a 4 dorés! Ah là, je suis stressé. C'est trop bien le Bingokai qui est fait comme ça. Ils devraient en prendre de la graine, Weeble Weeble. Enfin, ils auraient dû faire un Bingokai comme ça. C'est stylé. Oh là 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 là! Froid glagla! Fruha, il s'appelle Fruha ou Fruha Glagla? Fruha, je crois. Je faisais un mix de Chihuahua Glagla et Fruha. Non mais. Les yokai de ouf qu'on a! Je sais pas comment il s'appelle lui, mais. Et. Kirin! C'est Kirin ou Kirikorn? C'est Kirin, je crois. Oh là 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 là! Lui, il va dans mon équipe direct. Il va dans mon équipe Illico Presto. Potomoros, d'accord. C'est un rang A dans un doré, c'est nul. Va-t'en. Va-t'en. Oh, par contre, elle est belle avec. Ou il, j'en sais rien, vu que c'est la fusion d'un mec et d'une fille. Avec la petite fleur sur le dessus, là. Et. Non, mais Poilux! Non, mais vous vous fichez de moi, c'est des dorés, vous me mettez des rangs A dedans! Bon. Il y a de quoi être un petit peu déçu quand même. Mais c'est pas fini le Bingokai. C'est pas fini parce que. J'avais dit que je voulais faire ça. C'est quoi ce rang? Pourquoi il y a marqué un 2? Tous les 5 essais, on a 2 rangs S, c'est ça? Qu'est-ce qu'il y a marqué? 5. J'essaye de comprendre. On a une chance sur 2 quand on lance ça d'avoir un rang S, c'est ça qui a marqué? J'en sais rien. Je sais pas. On va voir. Comment ça? Mais j'ai de l'argent. J'ai 1155. J'ai 1115. Pourquoi il me dit que j'en ai 0? J'en ai 1115 là-haut. Mais non! Pourquoi je peux pas. Bah. C'est marqué que j'en ai gagné plein. Mais. Comment ça? Pourquoi il me dit que j'en ai 0? Ah, c'est peut-être que c'est que ceux qu'on a payés. On peut peut-être jouer que avec ceux qu'on a achetés, en fait. C'est peut-être ça, parce que là, si je fais ça... Ah ouais! Ah ouais! En fait, ah, c'est de l'arnaque! Ce Bingokai, on peut l'utiliser que avec les orbes qu'on a achetées. Pas celles qu'on a gagnées. Et comme j'en ai acheté aucune... Et là... J'ai envie de faire ça, moi j'aimerais bien avoir Komasan et tout ça en S. Puis il y a des bons yokai là-dedans quand même. Donc allez, on va faire ça. Ouais, vas-y. Donc si j'ai bien compris, on va le faire 2 fois. Et donc on aura au moins un rang S, c'est ça? Je sais pas. J'ai pas énormément compris, mais je crois que c'est ça qui était affiché. Voyons voir. Après, faudrait qu'on ait le temps de faire un niveau quand même. Après, on n'a pas de rang S, hein, quand même. Oui, mais pourquoi il y a des trucs brûlants là? Il y a des flammes autour, c'est trop bizarre. Oh Noko! Noko il est censé être rare. Hein. Là il est pas rare. Oh Illusion! J'avais oublié son existence à celui-là. Non, c'est des yokai qu'on a déjà. Enfin, Folion. Toutoui. Mais, toutoui. Ah, Toutoui on l'avait pas, c'est vrai qu'on avait Toutoui Sangokushi. Mais on a plein de Noko là, c'est ouf. Hein. Allez, le dernier c'est qui? Oh, Coach Antonique. C'est pas mal, Coach Antonique, normalement. Hein. Bon. Et donc, ça fait que si je refais, là, j'aurai un rang S. C'est obligé. C'est ce qu'il y avait marqué, je crois. Donc, allons-y. Non? Ah, c'est la prochaine fois que j'aurai un rang S? Ah, mais c'est pourri, parce que j'ai plus assez d'argent, maintenant. Ah, non. Bon, bah, tant pis. Tant pis. Oh, on a Jibanyan. Mais on l'avait pas des... Ben non, on avait Jibanyan Sangokushi, on n'avait pas Jibanyan normal.
Bon, mais je sais pas comment on fait les fusions, parce que c'est vrai qu'on peut en faire une normalement, mais je crois qu'on a suffisamment de bons yokai pour pas avoir besoin d'aller faire de fusion. Ça me paraît inutile. Oh, bien! Bien! Bon, bah écoutez, on va aller. Bah ouais, la prochaine fois on est obligé d'avoir un OS, sauf que bah. Ils ont bien fait leur coup parce que je pouvais pas le refaire là. À quoi ça sert ça? Mais non, moi je veux changer mon équipe, c'est là. C'est là. Alors, voyons voir. On peut pas les classer par rang. C'est quoi ça? Bah, c'est déjà classé par rang. Ah oui, c'est déjà classé par rang, mais il y a ceux qui étaient équipés. Donc on va mettre Ikaku. Ensuite, on va mettre. Colérique, il s'en sort bien. Lui, il s'en sort bien aussi. Ah, mais lui, il était déjà en A. Et pour finir. C'est peut-être bien de mettre lui, non? Oh, c'est pas mal comme équipe, là. Non, on va pas mettre Dibanyan. Oh, on va y aller comme ça, ça me paraît pas mal. Ensuite, comment on fait pour changer les cartes, là? Ah, voilà. Alors. J'aimerais bien avoir Dibanyan quand même dans mon équipe. Allez, on va mettre Dibanyan. Le Dibanyan normal, il est rang B. On sera moins fort, mais j'ai envie d'avoir Dibanyan. Ça. Ouais, vas-y. Enfin, je m'en moque, en fait. Je les mets un peu au hasard, parce que je comprends pas trop ce qu'ils font. Ouais, si tu veux. Ok, très bien. On valide. Et donc, on va partir. C'est pas les fusions, là? Non, c'est les objets. Qu'est-ce que... À quoi ça sert, ça? J'ai utilisé 5 trucs pour faire je ne sais pas quoi. Je sais pas. Bon, bah allons-y, on va faire des petits combats, pas beaucoup. Mais on va en faire un quand même. Parce qu'on arrive à la fin de la vidéo. Oula! Attendez, mais c'est pas ça la campagne. C'est pas ça la bonne campagne, va-t'en, tais-toi. La bonne campagne... Oui, Ikima et Dani si tu veux. Oh! D'accord. Non, skip. Non, je veux pas faire info, et on y retourne, et l'aventure, elle était en bas. C'était ça, l'aventure. Bon, ben on va là, je crois. Voilà, niveau suivant. Alors là, normalement, ça va être d'une simplicité sans égale, parce qu'on a presque le double, quand même, d'attaque. Donc ça va certainement être simple. Mais avance, toi, pourquoi tu restes derrière? Voilà. Ah ben, parce que c'est un soigneur. Pourquoi je le mets devant? Je suis nul. Par contre, je peux aller devant. Non mais attendez, mais on les démonte là. On peut faire avancer le temps plus vite. Oh, on peut changer la caméra. Oh, on voit rien. Ah, on peut faire avancer le temps plus vite. Qu'est-ce que what, j'ai rien fait. Ah, on a bientôt la multime, attendez. Non, plus lentement, on a la multime. Vas-y, à multime. Ah, du chaton. Il va être mort là, non? Même pas, bientôt, hein. Bientôt. Qu'est-ce qui se passe? Ils se font envoûter, ils ont perdu de la défense. Il va bientôt pouvoir faire la ultime de la carte. Enfin, du mec avec ses grandes oreilles, là, mais je sais pas ce que c'est. Tiens, vas-y, toi, fais ton ultime. Et ensuite, faut faire lui. Qu'est-ce qu'il fait, lui? Ah bah, il fait des dégâts, hein. Il fait mal, en plus. Hein. Il rigole pas, hein. Ok. On peut pas faire la ultime, là? Non, mais on a bientôt fini. Il y a plus qu'un mec en vie, là. C'est bon! C'était facile. J'ai même pas eu besoin de redonner des vies à mes yokai. Mais Dibanyan, il a failli passer, hein. Ils ont perdu des vies, quand même, je crois. Waouh. On gagne beaucoup de trucs, ça sert à quoi? J'ai pas de flamme. Il y a un truc en bas, mais j'ai pas de flamme, donc je sais pas ce que c'est. Skip. On ne veut pas vous entendre parler. Bah, je fais quoi? Ah oui, c'est pas fini. Faut continuer. Il va y avoir un boss à la fin, non? Normalement, il doit y avoir un boss à la fin de ce monde. Bon, en tout cas, on va faire passer le temps très vite, parce que ça n'a pas d'intérêt, sinon... Vu qu'on est sûr de gagner... Contre le boss, peut-être pas, mais là, on est certain. Non mais attendez, j'ai même pas besoin d'utiliser d'un ultime que c'est déjà fini. Non mais... C'est ouf! Ils m'ont donné plein de cadeaux, merci. J'ai eu des X-Porbes. Allez, on fait ceci maintenant. Je sais pas combien il va y avoir de niveau. Eh, mais je perds du feu! Ah mais oui, le feu, en fait, c'est notre énergie. D'accord. Je ne savais pas. Ah mais attendez, mais non... C'était resté en super rapide de base, je ne savais pas. Vas-y, Dibanyan, fureur du chaton! Pourquoi il le fait pas? Ah oui, galérer là. Ouais, toi tu devrais rester derrière.
Ah, parce que par défaut, je l'ai mis devant, mais non, il doit être derrière, Ikaku. Mais elle est nulle, la disposition qu'ils m'ont faite. Faut que je la change. Parce que genre, Kapaloa, il faut qu'il soit devant, là. Enfin, ça sert à rien qu'il reste derrière comme ça. Ça a pas d'intérêt. Bon, là, il va y avoir le boss ou pas? Je sais pas si c'est le boss, mais en tout cas, ça a l'air plus difficile. Ok. C'est quoi le petit truc en bas à droite? Faudra que j'aille voir après. Donc, on y va plutôt comme ça. Voilà, ça me paraît bien. Je sais pas pourquoi, mais j'ai envie d'aller comme ça. Allez! Vous allez y arriver! C'est pas difficile! Alors, ils peuvent se protéger s'ils veulent, mais c'est pas ça qui les sauvera. Vas-y, Jibanyan! Lui, il charge son âme ultime extrêmement rapidement. Hein. Roupillon, Roupillon, normalement tu peux. Ouais, il peut. Et ensuite, lui, lui aussi, je les massacre. Ils ne peuvent rien faire. Là maintenant, il n'y a plus qu'un seul Shepo. Oui, il peut pas survivre très longtemps, le Shepo. Hein. Et bah très bien. Oh, on est devenu amis avec Salsabga, Noripop. C'est peut-être Noripop, tiens. On a presque tous les yokai là. D'ailleurs, c'est rare qu'on devienne amis avec des yokai dans ce genre de. Enfin, dans les niveaux. Hein. C'est la première fois, je crois d'ailleurs. Ouais, si tu veux. Bon. Bah là, ce sera la suite. Dans tous les cas, nous, on va en rester là pour cette vidéo. Je sais pas si je vous en fourrai d'autres. Là, c'était vraiment un petit épisode spécial pour un épisode du Bingo Kai pour vous parler de Yokai Watch 3. Mais bah, si ça vous a plu, n'oubliez pas de laisser plein de pouces bleus, de commenter, de vous abonner. Et on se retrouve très bientôt pour la suite. Donc d'ici là, portez-vous bien. Et à la prochaine, les amis. Salut!